Avignonnaise et Avignonnais, je suis Manon Aubry, je suis députée de la France Insoumise au Parlement européen et coprésidente de notre groupe de la gauche unitaire européenne au Parlement européen. Et je voulais vous inviter toutes et tous à rejoindre la dynamique et à voter pour Avignon citoyenne et populaire. À Avignon, on a deux alternatives, deux faces d'une même pièce. On a soit les 50 nuances de La République En Marche qui est présente d'une manière ou d'une autre sur beaucoup de listes qui vous sont présentées pour ces élections, où vous avez l'extrême droite avec sa force antisociale et anti-écologique. Et donc on a l'extrême marché d'un côté, incarné par La République En Marche et ses nuances, ou l'extrême droite. Et face à ces deux faces d'une même pièce, vous avez une alternative. C'est une alternative citoyenne, une alternative radicalement démocratique qui finalement vous propose une seule chose, c'est de prendre les clés de la mairie d'Avignon et de les redonner à vous toutes et à vous tous. Et je vous le dis d'autant plus parce que il y a un an et demi, j'avais jamais envisagé de faire de la politique de ma vie. Et je me retrouve propulsée au Parlement européen, alors à débarquer en jean et en basket, mais d'être fière de se dire qu'un jour, on n'avait pas forcément envisagé de faire de la politique et on se retrouve à s'engager, à soutenir. Donc si vous aussi, vous pensez qu'une alternative est possible, que vous refusez ce choix qui nous est imposé, que vous voulez aussi envoyer un message très fort au gouvernement qui ne nous écoute pas de manière démocratique, notamment avec sa réforme des retraites où il tente de passer en force, vous pouvez aussi l'exprimer avec un bulletin de vote dans l'urne avec Avignon citoyenne et populaire. Et si vous voulez aussi incarner une alternative au niveau local pour la gratuité des transports publics, pour une cantine de proximité biologique et sans utilisation de plastique, toutes ces alternatives qui font le quotidien, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez voter le 15 mars prochain pour Avignon citoyenne et populaire. Merci, bravo.